La Costa del Sol, Espagne, le 31 juillet. Et il est quelle heure? Ben, je viens de te la donner. Il était 20, il y a à peine 2 minutes. Ça veut donc dire qu'il est maintenant presque 22. Inutile de t'inquiéter, on a le temps. Ouais, ouais. Mais on a pris du retard en passant par là. Ça fait rien. On le trouvera toujours. Ah, tu la connais par cœur? Ouais. Ouais. Bon. Je crois que nous sommes les premiers. Mais c'est certain. Oui, mais si c'est pas le cas. Eh bien, ce ne serait pas grave. Je réglerai très facilement ce problème. Allez, aide-moi. Attention. Ça va? Oui, passe-moi le reste, tu veux? Thank you.
Évidemment, j'ai lu l'histoire de Jonas et de sa baleine. Mais ceci est ridicule. Oui, c'est possible. Mais ils enquêtent depuis 6 semaines sans trouver de solution. Donc, pourquoi lui et pas moi, Marquet, n'utilise des moules pour faire passer les diamants? Eh bien, cela nous prouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi passer en fraude 100 000 dollars américains? Aucun de ces hommes n'a été condamné, aucun de leurs amis n'est un criminel. Certains criminels ne sont jamais découverts. J'aimerais trouver des preuves. Ils paraissaient pourtant être copains, pourquoi se sont-ils entretués? Pour les 100 000 dollars, voyons. Oui, c'est possible. C'est même certain. Eh bien, pour deux garçons assez démunis, ils se débrouillaient pas mal. Mon cher Jason, l'un de ces deux gars a 51 noms de filles inscrits sur son carnet d'adresses personnelles. Ça fait presque une toutes les semaines, c'est une bonne moyenne. Mm-hmm. Celle-ci devait tenir une place à part. Qu'est-ce que tu en penses? On ne voit pas grand-chose. Si le reste est à l'avenant... Tu veux le vérifier? Oui, je vais me rendre sur la Costa del Sol. C'est la bonne période de l'année. Tu veux y aller? Oh, je n'ai pas le temps, mon vieux. Une affaire à régler? Au plus vite. Je vois. Je commence par elle. Ou par n'importe laquelle des 50 inscrites ici. Je m'y attaquerai en dernier. Voilà un travail qui va lui plaire. Pour assister à la réception organisée par le prince Alfonso dans son domaine de Malvera. Il y avait une 50aine d'invités prévus, mais il en est arrivé 80. On ne savait plus où se mettre. Vous ne retournerez pas tout de suite dans votre pays? Oh non, je ne suis pas très pressée. Et je préfère rester ici à me dorer au soleil. J'ai besoin de chaleur. Le froid me paralyse. Il me rend neurasthénique. Vous comprenez? Bien sûr, oui. Mon père est mort il y a maintenant 2 ans. Oui, il s'est noyé. Je ne me souviens pas de ma mère. Elle a été tuée par une avalanche alors qu'elle escaladait l'Eiger. Moi, j'ai hérité différentes usines, des concessions de pétrole. C'est pourquoi je peux rester ici à me bronzer. Dois-je vous exprimer mes félicitations ou mes condoléances? Racontez-moi un peu votre vie. Je n'ai pas le temps maintenant. Et parlons plutôt de Thorne. Dépêchez-vous, votre glace va fondre. Thorne, c'était, paraît-il, un guitariste remarquable. Oh, Thorne chantait des chansons ridicules. Je le trouvais amusant. C'est tout? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Je n'en sais rien, je ne le connaissais pas. Il n'est resté par ici que 3 jours. Est-ce qu'il était dépensier? De mon argent, bien sûr. Et que savez-vous de Karl, son ami? Je n'ai presque pas vu Karl. Il n'y avait personne avec eux? Non. Thorne et moi avons passé la plupart du temps à l'abri des regards. Vous n'êtes pas la première à me le dire. Je demande pardon. Ne faites pas attention, je divaguais. Je présume que ce brave garçon avait des qualités. Oui, c'est exact. Après m'être retrouvée orpheline, j'ai décidé de voyager pour oublier, de voir le monde. Je suis allée en Amérique, aux Bermudes, aux îles Fidji. Mais il faisait vraiment très chaud. Je préfère ce coin. Dommage qu'il y ait tant de monde. J'ai horreur de la foule, à vrai dire. Vous aussi, Jason? Jason! Tant pis. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Je voulais vous demander si vous connaissiez deux touristes, Karl et Thorne. Vous prenez du sucre? Un seul morceau ce matin. Vous avez oublié de poser cette question la nuit dernière. J'avais d'autres idées en tête, je le reconnais. Mais que se passe-t-il? Ça vous embarrasse? Vous êtes de la police, n'est-ce pas? J'en ai l'air, à votre avis. La police m'a questionné. Qu'avez-vous dit? Est-ce que vous ne seriez pas journaliste? Non. J'ai répondu que j'étais restée 5 jours seulement avec lui. On m'a demandé s'il n'avait vu personne. J'ai dit non. Il a passé tout son temps près de moi. Vous voyagez beaucoup. Oui, c'est exact. Je voyage énormément. Estelle, je voudrais y revenir. Savez-vous si Thorne a rencontré un autre homme que Karl? Non, aucun.
Voudriez-vous vous arrêter de me poser toutes ces questions? Est-ce qu'il avait un peu d'argent, disons plusieurs dizaines de... Non. C'est pourquoi il jouait de la guitare dans les cafés. C'est ainsi qu'il gagnait sa vie. Il a été tué. Parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Je ne vous poserai plus d'autres questions. Je vous le promets. Que se passe-t-il? Je croyais que je vous plaisais. Non, c'est faux. J'ai beaucoup travaillé. À vrai dire, je suis exténué. Je m'en doute. Je t'appelle parce que Sullivan rentre de Singapour demain et qu'il voudra savoir quel progrès tu as pu faire. C'est très simple. Réponds-lui aucun. Comment aucun? Tu ne sais rien du tout? Eh bien, Thorne était si occupé avec ses petites amies qu'il n'avait pas le temps de faire autre chose. Du moins, c'est ce qu'elles prétendent. Et tu le comprends. Il t'en reste combien à voir encore? Une. Celle que tu connais. Je pense l'aborder ce soir au plus tard. Non. Je commence par faire ma sieste. Quelle puissance de travail. Oh, Jason, surveille ta tension surtout. Garçon. Alors, la señorita, hein? Voulez-vous boire en ma compagnie une coupe de champagne espagnole sans âge? Risque pour vous. Je vais lever la bouteille à la ultra mesa, por favor. Êtes-vous si dangereuse? Oh, peut-être. Je suis un incorrigible romantique. Je cherche le danger plus que je ne l'évite. Les romantiques aujourd'hui ne sont guère nombreux. Ainsi que les profils parfaits. Et c'est assez bien. C'est même très bon. Vous êtes un professionnel? Non, je ne suis qu'un modeste amateur. Oh, modeste. Probablement. Il faut que je vous dise que je devrais vous quitter quand José aura fini de jouer. Ah, José serait le guitariste. Je ne resterai ici que quelques jours. Est-ce que vous aussi, vous... Oh, quelques jours, quelques mois. Qui sait? On dit que la vie de la Manquita est merveilleuse. Quels sont vos projets pour demain? Non? Eh bien, que pensez-vous de la cathédrale? Je rêve de la visiter. Il paraît que le prince... Et connaîtriez-vous une jolie plage où nous resterions allongés? Et pourquoi riez-vous? Vous êtes un charmant compagnon. Mais il est minuit et je dois vous quitter. Ah, vous en allez déjà? Oui, je pars. Je vous avais averti, n'est-ce pas? Excusez-moi. Et quand vous reverrai-je? Allez-y, je suis derrière vous.
On va arriver, amigo. Il est temps de ralentir. C'est sans doute la grande sœur. J'aimerais vous présenter un ami. Descendez. Vous allez laisser la fille tranquille. Comment était Singapour ? Chaotique. Avez-vous terminé votre travail ? Non, je dois y repartir. Pas tout de suite. Vous avez quelque chose pour moi ? Oui, je vais immédiatement en venir au fait. Il y a 2 jours, j'ai reçu la visite confidentielle d'un envoyé du ministère des Finances des États-Unis. Que pensez-vous de ça ? Eh bien, c'est un joli billet. Examinez-le attentivement. Voyons. Non, je ne trouve pas. Dites-moi ce que je devrais découvrir. Et pourtant, c'est un faux. Joli travail. Oui, le défaut n'a pu être décelé que par une analyse microchimique de la couleur. Le ministère a dû admettre que c'est un travail de génie. Je dois dire que je ne vois vraiment rien. On en a découvert pour la première fois il y a 6 mois à Chicago. Ces derniers temps, des spécimens ont pu être repérés dans des villes comme Los Angeles ou New York. Oui, et théoriquement, si on continue à les mettre en circulation, ça deviendra dangereux pour l'économie. Exactement. On en a vu aussi à Rome, Londres et Berlin-Ouest. Cela devient très sérieux. J'ose espérer que vous aurez plus de chance qu'à Singapour avec cette affaire, Sullivan. Eh bien, je crois avoir une petite piste. Comment ? Une idée. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Alors, et Singapour ? Ah, j'aurais espéré que tu m'aurais dit que tu étais contente de me revoir, quelque chose comme ça. Tu n'as pas réussi, hein ? Non. Quoi de neuf avec Jason ? Il va aborder la dernière de la liste. Déjà ? Mm-hmm. Il n'a rien appris. Non, rien qu'il figure déjà dans notre rapport. Mm. Tiens, pour toi. Pour moi ? Eh bien oui, ne prends pas un air si étonné. Il est en pur soie. Il est magnifique. Peint à la main par un indigène du cru. Il y en a assez pour faire une petite chose. Jade authentique. Merci. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est, une prime en plus ? Regarde-le bien. On dirait... Continue, on dirait quoi ? Est-ce que le verre ne serait pas trop dense ? Ah, tu es génial. Où l'as-tu trouvé ? À Zurich. J'ai eu rendez-vous avec Seret Sim. Sais-tu où est Jason ? À Malaga. Ah, on va y aller. Prends 2 places pour demain. Avec toi, ma chère Annabelle, inutile d'emmener un spécialiste de l'analyse microchimique. Par ici, seigneur. Un grand whisky. Mmh.
Gracias, señor. Señor, la señorita dont vous avez fait le portrait. Oui. Elle vous intéresse, si j'ai bien compris. Peut-être. Permettez-moi, señor. Je vous donne son adresse. Merci. Non, señor King. Juste un autographe, s'il vous plaît. Ah. Gracias, señor. Gracias. Gracias a vous. Señorita. Oh, j'ai droit à la garde d'honneur ce soir? Vous êtes prête, señorita? Ravi de vous revoir. Maxime vous a souvent réclamé. Je commence à avoir du mal à supporter la compagnie de vos chiens de garde, Camilo. Vous me verriez davantage si vous les rappeliez près de vous. Je ne peux pas vous faire confiance. Après ce qui s'est passé avec ces deux hommes, je n'aurai plus jamais confiance en vous. Un martini? Martini. Si vous pouviez m'épingler, mon cher Camilo, vous ne vous intéresseriez plus à moi. Oh non, 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 non. Ça, c'est faux, ça. Oh, si. C'est ce qui vous attire en moi. Ceci est la crainte que peut-être un jour je puisse vous ruiner. Hélène, ne surestimez pas votre pouvoir sur moi. Vous pourriez être déçue. Sérieusement, sans les risques, les incertitudes, la vie ne serait pas supportable. Je suis vraiment désolée, mon cher Camilo, mais je vous avouerai être beaucoup plus intéressée par le repas de ce soir que par votre philosophie de la vie. Que nous a préparé Lopez? Parillada de pescaro. Oh. Et nous boirons du Montrachet. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, my God.
Qu'est-ce qui s'est passé? Hélène ne t'apprécie pas? Son petit ami, pas du tout. Annabelle m'a appris que tu n'avais pas progressé depuis que tu es arrivée dans le pays, c'est vrai? Et toi, ça s'est bien passé à Singapour? Une vraie catastrophe. Eh bien, on fait une belle équipe. Oui, mais je pense que la chance peut tourner. Tu te souviens de ta théorie, tu sais, une contrebande quelconque. Regarde ça. Qu'est-ce que ce billet de 20 dollars a de si particulier? C'est un faux, mon petit vieux. Il a l'air parfait. Oui. Et on en a découvert dans différentes villes des États-Unis, aussi en Europe. En Allemagne, en Italie, en Angleterre. Et les dollars trouvés près des deux corps sont authentiques? Oui, en paiement de ceci, mon vieux. C'est possible. C'est même très possible. Mmh. Et le grand jaloux qui protège la belle Hélène, si tu m'en parlais? Achille en est certain. L'homme qu'il a aperçu dans le jardin est celui qui vous a abordé dans ce cabaret. Je n'y suis pour rien. Je suppose que vous avez dû lui dire quelque chose d'encourageant. De très encourageant même, puisqu'il vous a suivi jusqu'ici. Oh, ne me poussez pas, Camillo. Voyons, n'ayez crainte. Ce n'est pas mon intention. Mais si votre admirateur tente à nouveau de vous aborder, il aura droit à une autre leçon. Comment une autre leçon? Achille a pris une excellente initiative après l'avoir vu vous importuner au cabaret. Ils l'ont battu, si je comprends bien. Oh, rien de très sérieux, un simple avertissement. Écoutez, Camillo, je pense que ça suffit. Je refuse de voir ces ombres sans cesse près de moi m'espionner et se mêler de mes affaires. Où que j'aille, je suis sûre de voir Achille. Asseyez-vous, Hélène. Mais calmez-vous. La colère va vous couper l'appétit. J'ai réussi à échapper au molosse en réalisant des prouesses athlétiques. J'ai couru à ma voiture et je suis rentré directement ici. C'est tout. La police a retrouvé ma voiture sur la route de la côte ce matin. Allô, j'ai demandé une bouteille de whisky. Gracias. Je crois que le gars de la villa mérite une visite. Annabelle et moi allons nous en occuper. Où êtes-vous descendu? Nous sommes à l'hôtel Crystal. Oh, tu devrais disparaître quelques jours, tu sais. Sinon, tu vas finir par le rendre méfiant. Pourquoi n'irais-tu pas à Torremolinos? Je peux t'indiquer un hôtel ultra moderne. Piscine et un chef cuisinier français. Camillo Garia. Il est arrivé de Madrid il y a 14 mois. Il possède une grande fortune. Voici où il habite, la Villa Rosa Mor. Et Jason a reçu une correction de ses deux sbires. Attends, ça c'est Achille, et lui c'est Adolfo. Je comprends que Jason ait eu des difficultés. Et voici Maxime, il suit Camillo comme son ombre. Fou, mais grand comme ça. Sa photo me met déjà mal à l'aise. Et, celle-ci est la plus intéressante de toutes. Je me suis arrangée pour la prendre dans la galerie. Ces trois-là sont l'œuvre de Camillo Garia. Ce sont des gravures. Des gravures? Oui, ou disons des aquatintes, pour être plus exact. Camillo Garia semble être un homme complet. Ma chère Annabelle, tu vas me dire tout de suite ce que tu sais sur la gravure. Et puis ensuite, je pense que le seigneur Garia recevra notre visite. Un jeune marié? Non. Non. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, n'oublie pas que tu es Madame Anne Arland. Bien, John. Ah, oui, John, c'est vrai. Tu as le micro? Oui, là-dedans. Il nous reste à espérer pouvoir le placer. Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu sembles très nerveux. Alors, tu ne me connais pas. Je tremble comme une feuille. Ce sont le seigneur et la seigneure Arland. Ils voudraient une entrevue. Ils ont vu quelques-unes de vos œuvres à la galerie. Ah, fais-les entrer, Achille. Très bien. S'il vous plaît.
Je vous prie de nous excuser, Seigneur Garia, de venir vous déranger comme ceci. Nous avons pu admirer vos œuvres. Eh bien, j'ai... Oui, ma femme, Seigneur, a vu vos œuvres exposées à la galerie et vous l'avez impressionnée très fortement. Je m'explique, depuis qu'elle les a vues, elle n'arrête pas de m'en parler. Quand ma femme commence à discourir... Oh, mais elle est toujours très intéressante, bien sûr. Bref, c'est une très grande admiratrice, Seigneur. Vous me flattez. Ah, oui, j'admire toutes vos œuvres et j'avoue avoir été bien déçue en apprenant qu'on ne pouvait les acheter. Oui, nous avons pensé qu'en vous voyant personnellement... Oui, nous pourrions vous persuader de... Mais vous avez eu raison. Ah. Alors, voici mon ami Maxime. Ah, vraiment très heureuse. Bonjour. Oh, John! Oh, je peux, Seigneur. Bien sûr. Je dois vous dire, Seigneur, que ma femme, Anne, est un peu artiste, elle aussi. Amateur, bien entendu. Oh, certaines de mes œuvres ont été exposées, mais rien à voir avec celle-ci. On vient voir cette merveille, John. Oui. Oh, est-ce que je pourrais... Cela vous embêterait si je décrochais votre tableau? L'éclairage n'est pas très favorable. Je vous en prie, mais faites donc. Attends, je vais t'aider, ma chérie. Oh, tiens. Mark Kane. Vous connaissez ses romans? Oh, je vous avoue que j'apprécie beaucoup ce genre de livre. Oui. Oh, oui. Le dégradé est remarquablement subtil. C'est vraiment ravissant. Oh, pourrais-je... Serait-il possible de voir la planche sur laquelle vous avez travaillé? Certainement. Passez dans mon atelier. Ah, Maxime, excellente initiative. Nos amis ont sûrement soif. Les martinis préparés par Maxime sont, comment dire, hors du commun. Signora, Seigneur. Merci. Je vous précède. Bon. Quel bel atelier. Oh, oui. L'un des plus grands maîtres utilisant cette technique fut Rembrandt. Est-ce que le premier grand graveur connu ne fut pas Jacques Callot? Ah oui, les grandes misères de la guerre. Oh, terrifiant. Révoltant. Absolument révoltant. Tu as été excellente. Tu as parfaitement joué la comédie de la jeune mariée en lune de miel. Tu t'es joliment débrouillée. J'espère que ce micro tient bien accroché à son perchoir. Je l'espère aussi. Cette sauce est beaucoup trop riche. Oh, vous êtes très dur avec Lopez, Camilo. Non. Non, je suis objectif. Pour ma part, je la trouve délicieuse. Il y a trop de paprika et trop de cognac. Pour moi, elle est parfaite. Mais tout le monde ne peut pas avoir bon goût. Vous cherchez à me provoquer, là. Mais ce soir, vous n'y parviendrez pas, je vous le parie. Hélène. Je voudrais vous poser une question. Oui? Aimeriez-vous aller vivre au Chili? Je n'y ai jamais songé. Eh bien, si vous y réfléchissiez, il y a un endroit près de Valparaiso, Vista del Mar. C'est merveilleux. J'avoue être très surprise. Pourquoi le Chili? Ah, je crois qu'il ne faut jamais rester au même endroit trop longtemps. Vous avez bien raison. Et quand vous est venue cette idée? Environ un mois. Plus qu'un ultime engagement à honorer, et nous nous enfuirons. Oh, Camilo. Vous donnez l'impression d'être très inquiet. Eh bien, tu as l'air bien reposé. Et pourtant pas passé mon temps à dormir. Je crois avoir trouvé la manière dont opéraient les contrebandiers. Viens voir ça. La police... Tu supposes que Garia est notre homme? Non, je ne suppose rien. Pour le moment, j'en reste au fait. La police a découvert les corps des deux gars et le produit de leur pêche ici. Ici se trouve Tanger, connu pour être un grand centre de contrebande. D'accord? D'accord. La distance entre ces deux points n'est pas considérable. Ce n'est rien pour une bonne vedette. Elle doit mouiller vers cet endroit. Juste en dehors des eaux territoriales, un plongeur doit descendre avec des vrais dollars pour payer les faux dollars déjà cachés sous la mer, par ici. Il place ses poissons farcis de vrais dollars à un endroit convenu. Et il remonte avec les faux. Ce n'est pas idiot? Pas du tout. Et les vrais billets viennent de Tanger. Bravo. Merci. Tu vois que j'ai travaillé devant la piscine. Allez, donne-moi le plan de la villa. Si. Qui est-ce? On vous téléphone de Tanger, cher Camilo. Allô, oui? Oui, il fait un temps splendide, ici aussi. Vous avez les résultats de la loterie? Ah,
Et quel était le bon numéro? 5, 3, 6, 7, 2, 4, 9. 5, 3, 6, 7, 2, 4, 9. Ce n'est pas un numéro de loterie, c'est un code. Ça doit donner l'heure, l'emplacement et le montant. Il est sûrement possible de trouver la clé. Oui, mais on n'a pas le temps. Et puis nous en savons suffisamment pour investir la place. Villa Rosamore. Oui. Quand? Cette nuit. Tanger. Un bon conseil, messieurs, restez où vous êtes. Je suis attristé de voir, monsieur Harland, que votre intérêt pour mes toiles n'était que pure comédie. C'est trop tard, Garia. Nous avons déjà vu tout ce que nous désirions. Comment trop tard? J'en doute fort. Ne croyez pas que je suis ici parce que je vous ai entendu. Oh, mais pas un instant. Vous êtes venu honorer votre ultime engagement dans votre voyage pour le Chili. Un engagement dans lequel, je vous le promets, vous aurez une belle place. Même le célèbre Mark Kane peut disparaître à Tanger. Je n'ai jamais tué personne. Or, votre ami ou votre complice se demande quand il aura l'occasion de sortir l'arme cachée dans son dos, pensant que je ne l'ai pas remarqué. Dites-lui de le jeter par terre, sinon il sera ma première victime. N'agissez pas imprudemment. Je ne voudrais pas qu'il arrive un accident. Oh!
Et voilà. Ce n'est pas trop tôt. Ah, pourquoi ne buvez-vous pas une goutte avant d'être emmené par la police? Vous avez de la chance de ne pas être enfermé à la cave avec les autres. Santé. Annabelle a trouvé ce qu'il faut. Elle est digne de confiance. Tu es sûre que c'est assez fort? Oui, certaine. Et si tu t'en mets sur les mains, tu ne l'enlèveras pas avant 2 mois. Bien. C'est si pressé? Oui, il y a une livraison. Et dans 45 minutes. Ce brave gars s'est montré vraiment très coopératif. Il a bien voulu nous donner tout un tas de détails. L'heure, la manière de procéder, et puis le lieu. Nous n'avons presque pas eu de difficulté à le convaincre. On fait affaire, si je comprends bien. Oui, et on va prévenir les autorités à Tanger. Comme ça, on aura tout le monde, du livreur au patron. Et qu'allons-nous faire de votre confident? Aucune idée. Écoute, Annabelle, on n'aura peut-être plus le temps de téléphoner à la police. Alors fais-le le plus vite possible. Dis-leur qu'il y en a dans le cellier. Eh bien, allons-y. Et prends tes palmes, surtout. Fais attention. J'espère qu'ils sont en retard. Oui. Sinon, sa vie est en danger. Problème sinon. Regarde. Quelle belle prise!
Tu aurais dû voir ceux qu'il a laissés s'enfuir. Et celui qui croyait réussir.